Donc là, la première partie de saison, elle est plutôt positive, au moins sur le plan comptable, puisqu'on a fait 7 matchs, donc 4 victoires et 3 défaites avec deux bonus défensifs. Voilà, donc on est plutôt satisfait de l'état d'esprit, des performances aussi collectives. Il y a un petit bémol, c'est qu'on n'a pas encore réussi à gagner de matchs à l'extérieur. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on oscille entre la quatrième et la sixième place. Donc l'objectif très rapidement, c'est d'être capable de gagner rapidement à l'extérieur. Voilà. Oui, il y a les deux défaites donc à Bordeaux et au Racing qui sont un petit peu difficiles à encaisser. Bon, surtout celle au Racing puisqu'on a mené le match sur les 20 dernières minutes et puis on prend un essai sur la dernière action qui nous coûte le gain du match. Voilà, Bordeaux, c'est un match un petit peu différent. On a eu un coup de mou en début de seconde mi-temps et puis on a réussi petit à petit à revenir au score. Et c'est vrai qu'on a la dernière occasion pour marquer et l'emporter. Bon, on ne réussit pas à la mettre au fond. C'est bon, voilà, deux profils de match un petit peu différents. Mais c'est vrai, on ramène un point de ces deux gros déplacements. Bon, ça aurait été bien d'en accrocher un, hein, mais bon, on va se rattraper sur le prochain bloc. Oui, voilà, on a pour objectif d'être dans le top 4. Hein. Voilà, avec les matchs qu'on a fait jusqu'à présent, mais on est conscient qu'on en est proche, en tout cas pas très très loin. Voilà, il y a cet accroc à Toulouse qui a été difficilement explicable, mais bon, à part ça, sur les 6 autres matchs, on a montré qu'on méritait d'être dans le top 4. Maintenant, il faut maintenir ça jusqu'à la fin, et puis comme je disais, réussir un coup à l'extérieur pour vraiment se mettre de manière durable dans les 4 premières équipes de la poule. Oui, déplacement en Narbonne, bon, toujours compliqué d'aller en Narbonne. Voilà, on sait comment on va être reçu, on sait comment va se passer le match, il n'y aura pas de surprise. Nous, ça a été une semaine de préparation un petit peu particulière puisqu'on était en régénération la semaine dernière. Il y a la semaine des pros qui est un petit peu décalée ben, par rapport au week-end, ça match aussi. Donc voilà, ça va être un week-end assez particulier. Bon, voilà, on fait confiance aux garçons pour arriver samedi à se mettre dans les meilleures dispositions, essayer de faire un gros match en Narbonne. Et puis voilà, c'est un adversaire direct à la qualif. Donc évidemment, si on était capable de faire quelque chose de bien là-bas, ça nous lancerait très fort sur ce troisième bloc.